Je suis chercheur au laboratoire Nutrinovo. C'est un laboratoire qui s'intéresse à définir ou à déterminer l'effet des nutriments sur le bien-être cérébral et en particulier sur la mémoire et la sphère émotionnelle. Mes missions donc sont très variées. Tout d'abord, je gère et je pilote des projets de recherche. J'exerce également des activités d'expertise. Je fais également partie de jurys de recrutement INRAE, par exemple, ou de jurys de thèse. J'encadre et je forme également des étudiants, quel que soit leur niveau. Puis j'ai d'autres missions collectives au sein du laboratoire. Je suis responsable du pôle communication. Une de mes dernières missions est de transférer et valoriser la recherche en établissant des collaborations avec des partenaires industriels, mais également en allant vers le grand public, en participant à des animations grand public comme la Fête de la Science ou la Semaine du Cerveau. Aujourd'hui, c'est important pour un chercheur INRAE de faire de la vulgarisation des sciences, c'est-à-dire finalement de faire connaître et de faire comprendre au grand public ce sur quoi travaillent les scientifiques et la recherche. Le but de la médiation, c'est aussi de sensibiliser le grand public, enfants comme adultes, à tous ces domaines de recherche, notamment domaine de recherche aujourd'hui comme l'environnement qui touche un large public. Je travaille sur l'adaptation du vignoble bordelais au changement climatique. Donc comment continuer à faire du vin qui a une typicité bordelaise d'ici 20 ans, 30 ans dans les climats plus chauds et plus secs. Alors il y a plusieurs axes de recherche. Le mien, c'est vraiment de se concentrer sur augmenter la diversité des cépages bordelais pour continuer à faire ce qu'on a toujours fait des grands vins ici à Bordeaux. Je suis technicien de recherche aquacole. Mon travail s'effectue la plupart du temps en laboratoire ou sur le terrain. Je travaille au sein de l'unité Ecobiop qui étudie les poissons migrateurs, donc principalement la truite et le saumon. Ma fonction aux ressources humaines est cruciale pour le centre de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux puisqu'elle touche le quotidien personnel et professionnel de tout le monde. À mes yeux, le technicien est assez indispensable en fait dans le monde de la recherche. Si le scientifique est l'architecte d'un projet, il va de la recherche de financement pour son projet jusqu'à l'interprétation des résultats. Le technicien, lui, est un petit peu les petites mains et assure le bon déroulé de l'expérimentation. Du coup, permet aux scientifiques de faire son travail. C'est un super endroit pour faire un doctorat. Déjà parce qu'on est dans le cœur du vignoble bordelais, à Pessac-Léognan, et ça, c'est génial. Plus de ça, on a des super infrastructures. Je pense toutes les parcelles qu'on a en champ qui nous permettent de faire des études comme un viticulteur normal, disons. On a aussi des serres qui nous permettent de faire des études un peu plus poussées. Et en plus de ça, on a quand même plusieurs machines qui nous permettent d'être constamment à la pointe de la technologie dans nos recherches. On travaille tous ensemble sur des sujets qui gravitent les uns autour des autres. La recherche partenariale à INRAE Bordeaux consiste à entreprendre des collaborations avec des partenaires industriels. Donc au laboratoire, par exemple, nous avons mis en place une cellule de transfert NutriBrain. Et cette cellule de transfert est l'interlocuteur privilégié des relations avec les industriels. Les agents d'appui à la recherche sont essentiels pour accompagner les scientifiques, notamment pour leurs besoins en recrutement de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs pour faire avancer la recherche. Faire une thèse déjà, c'est un début de carrière professionnelle en soi, c'est passionnant parce que pendant 3 ans, on est amené à travailler sur un sujet qui nous intéresse de manière assez pointue et en plus c'est notre métier. Puis en plus de ça, une thèse, ça permet vraiment de gagner en maturité professionnelle, en indépendance, en esprit critique, et ce qui est vachement important après pour une carrière dans la recherche, que ce soit en privé ou en public. Si je dois donner envie à un jeune de faire mon métier, déjà la première raison pour moi, c'est la diversité des activités. Dans un second temps, et dans le cadre du changement climatique actuel, je fais ce que je peux à mon niveau pour apporter des réponses aux décideurs politiques et enfin qu'on évolue et qu'on arrive à construire un monde plus respectueux de l'environnement.